Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur PES 2018 pour la suite de la compétition de la Ligue 2 avec bien sûr la 27e journée et nous continuons avec le RC Lens et aujourd'hui nous allons rencontrer Quevilly-Rouen, alors le petit ou le grand Quevilly. Attention, eh oui, à Rouen il y a deux Quevilly, le petit et le grand. Donc, enfin moi-même. Enfin, moi et ma compagne, on connaît le grand et le petit parce qu'on a un ami là-bas, voilà quoi. D'ailleurs, qu'on n'a plus de nouvelles. Bon, enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus. On y va. Nous sommes un peu, je suis un peu pressé. À 10h, je pourrais plus faire de vidéo. Car, mesdames et messieurs d'Adam, de Adam Service, me la mettent bien profond dans le fion. A décidé de mes heures à venir à n'importe quelle heure. Voilà, donc je tourne cette vidéo. Je viens de me lever. La fenêtre de ma chambre est ouverte. Je suis encore en pyjama. J'irai me laver que tout à l'heure après ces deux matchs que je vais vous proposer. Alors, le petit Quevilly ou le grand Quevilly, Rouen, là, vous inquiétez pas. Alors là, je vais gagner. Ah, bah regardez, là-bas, il y a le bar de Khalid. Ce match va Derrière bientôt le. démarrer. Non, je regarde, je sais pas. Et voici donc l'US Quevilly contre le Racing Club de Lens. Ouais. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulet très concentré Regardez, dans la ligne même, militaire. Le match même. peut commencer. Salut Grégoire, content de vous retrouver comme d'habitude en espérant assister à du beau jeu aujourd'hui. Même un petit. Comment dire? Même une petite ville. Comme Quevilly. Parce que Quevilly, Rouen. C'est quand même petit, quoi, comme. Voilà, ils sont en Ligue 2. Et L'arbitre Philippe l'autre jour, Courtois. pour la 26e journée, nous nous sommes retrouvés avec le L'US Quevilly qui peut construire. White Sco, je sais pas quoi, Et parce maintenant que Thiemy. ils n'avaient pas payé la licence. Le Et je Racing ne Club sais de toujours Lens pas qui s'était contre imposé quelle lors de équipe la on dernière a joué confrontation entre l'autre les deux jour. équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Ah, franchement, là, j'en sais rien du tout. Il s'est récupéré facilement. Voilà, facilement. Il joue dans l'espace. Il tire. Oh, elle aurait été belle. Elle aurait été belle. Et maintenant J'avoue. Thiemy. Pas encore de but dans ce match, mais ça va changer Ah évidemment pour non, l'équipe non. rouennaise et Mais l'équipe oui, qui leur appartient. mais bien sûr. Il Regarde glisse le là. ballon en profondeur. Oh, l'occasion! Oh, la barre. Oh là là. Non, mais c'est abusé, quoi. Bon, certes, un dimanche, faire une vidéo comme Vertus. ça à cette heure-ci, ça, un dimanche, ça, c'est hors de Aucune équipe question. n'a encore fait la différence dans cette rencontre. À moins que, bon, ça m'est déjà arrivé de faire des nuits blanches Il est en bonne position pour en jouant au centrer. jeu un week-end. L'US Quevilly qui essaye de C'était construire ETS quand Chanteau. j'ai fait Ah, mon il a bien vu 24 son heures de live. coéquipier. Mais bon, j'ai triché un peu parce que Il j'ai a dit que récupéré le j'avais ballon. mal au C'était un dos. bon Mais en pressing. fait, j'étais C'est joué couché. long. Pendant 2 heures, je me suis reposé et je suis revenu en forme. Et Il j'ai connaissait tenu, mal j'ai Fred, c'est mal tenu. joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il Eh, saute. faute. Bah oui, faute. Évidemment. Quand il n'y a pas faute, il y a quand même faute. Regardez. Il est allé où la faute là? Il n'y a pas de faute. Il n'y a rien du tout. Faut arrêter un peu les gens. Le Racing Club de Lens qui possède la meilleure attaque de ce championnat. C'est Alors, mérité. je ne vais pas critiquer l'équipe de foot de Boulogne, hein, bien sûr, parce que vous savez pourquoi. Ma fenêtre Le de chambre gardien est de Rouen ouverte devant. et j'ai un voisin qui est footballeur à l'équipe de Boulogne-sur-Mer, en fait. Donc, C'est bien donné. je ne vais pas critiquer, je vais pas dire de Il conneries peut sur poser le Boulogne. corner. Mazou, il a de l'espace. Et le centre En bien plus, c'est poussé. gentil, donc voilà. Alors, Passe dans la... C'est une occasion ça! voilà, But pour le but. Racing
but pour le Racing Club de Lens. Félicitations à moi. Je suis le meilleur, c'est normal. Allez, votre analyse, Darren. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer. Habite à Lens, putain, j'aimerais bien quand même. J'habiterai à Lens, franchement. Moi j'aimerais bien. Et le temps, il fait gris, laisse tomber. Il pleut. Enfin, il pleut pas, mais. J'espère que Tania l'a pas. Voilà. Sur la terrasse. Sinon, Tiffaine va falloir qu'elle ramasse. Les auxiliaires de vie vont devoir ramasser la merde du chien. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Voilà, 1-0, déjà, c'est déjà bien. Bah oui, bien sûr. Le Racing Club de Lens qui mène toujours au score. Mais non, on s'approche de la mi-temps. Allez, là, là, ici, voilà. Il file dans l'axe, il peut y aller. Il est allé au bout de son action, bien joué. Alors lui, il n'a pas besoin d'une invitation pour filer vers le but, c'est le moins qu'on puisse dire. Dommage pour le dernier geste. Et voilà. Et ouais, c'est ça de jouer en professionnel. Premier corner dans cette rencontre. Le bon dégagement. Le tir. Il peut frapper. Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment. Ah, franchement, vous savez quoi, au mois d'octobre, je vais essayer de voir. Pour le mois d'octobre, ça dépend au niveau du compte, ça dépend de mon bailleur, de mon nouveau logement, s'ils ne me font pas trop de problèmes. Parce qu'en fait, là, en fait, je suis dans un appartement hein, que j'ai loué, en fait, hein, voilà, que j'ai déménagé. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a un problème, c'est que... Une petite tasse de thé, pourquoi pas. Ah bah oui, bah une petite tasse de thé pour le matin, ça c'est bien. Bah non, là je ne dirais pas une bière parce que bon, il est un peu tôt, hein, 9h30, enfin pour ma part, à l'heure que je tourne. Enfin bref, j'étais en train de dire que mon bailleur, en fait, est long pour m'envoyer la quittance de loyer. Donc j'habite depuis le mois de février. Mais je n'ai donné aucun loyer en fait depuis que je suis là. Ils m'envoient pas de courrier ni rien. Je sais pas combien je leur dois et tout. Mais bon. Apparemment, ils sont pas pressés. Il est tombé sur plus fort que lui. Il n'arrive pas à se rapprocher. Apparemment, c'est parce qu'ils ont pris beaucoup de retard avec leur nouveau logiciel qu'ils ont dit une fois. Mais bon. Enfin bref, on s'en fout un peu. C'est bien ce qu'il fait là. Que regardez là le centre que je vais vous faire. Ça c'est un bon ballon dans la surface. Et la tête. C'était bien fait mais il manque le dernier geste. L'Espevillé profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, dans l'axe n'était pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien je dirais. Il tente de la jouer dans l'espace. Énorme occasion. Et c'est un but. Ben voilà, 2-0. Le break est fait, 2 buts d'écart désormais. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Chanteau, qui compte maintenant 4 buts dans ce championnat. Ouais, donc voilà quoi. Bon, ben, en tout cas, ce n'est pas encore aujourd'hui que je ferai une vidéo FAQ live en cam. Dehors. Parce qu'en fait, bon bah, j'attends qu'il fasse vraiment beau, quoi, bien beau. La passe est précise. Putain, elle me fout quoi, elle? Oh, la frappe! Mauvaise intervention, faute là-dessus. Il s'en sort bien, l'arbitre ne sortira pas de carton ce coup-là. Ah, toi, toi. Ouais. C'est une vraie occasion, il peut décider de tenter sa chance. Oh, l'occasion rêvée pour prendre le large. C'est direct. Je
Je taquine le gardien. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. La frappe! Ah, dommage, ça ne passe pas loin. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Ah bah ouais, un exploit, mais bon. Mais il n'y a pas eu d'exploit parce que je n'ai pas réussi à marquer. Eh oui, eh non. La touche à venir. Allez, 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 lève les mains. Allez. Il progresse encore. Il y a peut-être un coup. Allez, jusqu'au bout. Nouveau but dans ce match. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. À 3-0 et 1 et 2, 3-0. Voilà. J'ai fini la vidéo. Allez, bonne nuit. Il aurait peut-être pu tirer de plus loin, mais il a dû se dire tant qu'à faire. Autant se rapprocher. C'est vrai. Ah, bonne nuit, c'est non. Plus facile de marquer de près. N'importe quoi, je dis bonne nuit, n'importe quoi. Bon, il y a un bug ou quoi là? Comment ça se passe comment là? Il y avait vraiment un bug, ok. On prend 3-0 au tableau d'affichage. On n'a même pas vu la cinématique, il y a eu un bug. Pour trouver la faille dans la défense. En jeu. Ah, il y avait en jeu. Ouais. J'avoue qu'il y avait hors jeu. Je l'avoue. Mais déjà bien. Elle continue sa course. Le bondri. Allez, c'est dangereux! Mais il rate le cadre. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui. J'ai failli dégommer une caméra, mais bon. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-nous. Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Récupération sans se livrer, c'est bien joué. La passe dans l'axe. Il est passé. Il est tout seul. Il tente sa chance. Renvoyé par le poteau. Alors, parviendront-ils à décrocher un quatrième succès d'affilée? C'est tout l'enjeu de cette fin de match. L'US Quevilly qui peut construire. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Vas-y, Chantôme. C'est joué long, attention. Il est à distance de tir. Il cherche un coéquipier. Une petite faute là. Dégage. Carton jaune, oui, c'est logique. C'est bon, il avait qu'à pas me prendre la balle, c'est bon, ouais, full. Moi, je suis pas d'accord. Et maintenant, Thiemi. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Chantôme qui récupère ce ballon. Il joue dans l'espace. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Oh, ça va, ça a sifflé là. Voilà. Oh, voilà le coup c'est fini. Final. C'est fini. Deux minutes d'adjust, c'est pas trois minutes. Ça, c'est deux minutes. Même deux minutes et pas deux secondes. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Lorsqu'on est solide derrière, qu'on ne prend pas de but, alors ça donne confiance à toute l'équipe. La victoire vient de là. Voilà, on doit malheureusement se quitter. Une très belle journée à vous tous et un grand merci à Darren Tulette pour la qualité de ses analyses. Encore une fois. À lui, du pas non, je te remercie ou quoi? Bon ben, nous allons faire tout de suite le second match.
qui sera la 28e journée. Alors nous sommes premiers dans le classement, ce qui est vraiment très très bien, avec 65 points. Et nous jouerons contre le Havre pour ce second match. Ah Bienvenue, bah ouais. ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. On joue au stade Bollaert, évidemment, il pleut. Normal, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Ah, il pleut à verse hein, quand même. 20. Du plus, c'est joué long. Attention, on la profonde. Il frappe à côté. Quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. Ouais, mais il est marrant, lui, avec la pluie et tout. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile de jouer. Hein. N'importe quoi. Vraiment bouffon. Le Havre qui n'aime pas voyager cette saison, cette équipe n'a pas encore rapporté le moindre point hors de ses bases. Ah d'accord, en fait le Havre ils sont derniers dans le classement en fait, c'est ça? Ok. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Bien servi. Il tire. Ouais, il tire mal. Ils ont commencé sur les chapeaux de roue, mais faut songer à convertir de telles occasions. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Et ils vont effectuer cette touche. Repiqué dans l'axe peut-être. C'était génial. Mazou qui concède un coup franc. Et c'est directement récupéré. Il est passé. Attention. Alors, c'était magnifique un tir de loin comme ça là. Le Havre qui peut construire. On est à la moitié de cette première période et toujours aucun but. Ça va arriver, ça va arriver. Attends. Il joue dans l'espace. Bien, la profondeur. Il peut en profiter. Il tire. Quoi? C'était parfait, c'est du gâchis. En vain. Oh, elle était magnifique cette passe, le timing était parfait. Oh, c'était pas loin. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Mais il répète toujours les mêmes trucs en fait. Le ballon sort en touche. Le ballon sort en touche. Oui, il peut
frapper là à quelques centimètres. Aïe 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 aïe. Il n'a pas de chance. Il était tout près de marquer. Ballon récupéré, ça peut être dangereux. C'est récupéré facilement. Oh putain, allez. Ah, moi je veux au moins un but là. C'est joué long, c'est dangereux. Oui, c'est bien fait ça. C'est bien ce qu'il fait là. L'arbitre a sifflé. Dégage. C'est à moi la balle. Oui, c'est logique. Hein Gérard. C'est à moi la balle. Gérard. Ça va Gérard. Gérard. Eh, il va pleuvoir à mort, putain. Putain. Le long dégagement du gardien. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Je crois qu'il y a que... Ouais, il y a 40 journées dans un championnat de Ligue 2 ou Ligue 1. Ils obtiennent un coup franc. Et ouais, c'est ça. Va-t-il en profiter? Il la tente. Un tir. Et non, faut pas que je perde contre eux, putain. C'est un peu brouillon. Et il tombe sous la pression. C'était une longue séance de conservation, mais bien stérile au final. Foutre. Quelle passe. Le bon dribble. Il y a peut-être un coup à jouer. Dans la surface. Ah mais là, elle est sortie là. Putain, le tricheur. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais ouais. les choses vont se décanter en seconde période. 0-0 à la pause, on espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. Mais oui, on aura un ou deux buts. Deux buts. Coup d'envoi de la seconde période. Mais les buts, c'est comme le ketchup. Au début, c'est coincé. Et... ouais, FDR. Ouais, et lui, alors lui avec son ketchup. Ah, les buts, c'est comme le ketchup quand c'est coincé. Après, il y en a partout. Il est un peu con, hein, le présentateur quand même. Enfin, le commentateur. Dégage-le. Mais dégage-le. Suite de mon col. Qui espère encore aujourd'hui un... Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Bah ouais, carrément. Il m'a fait un croche-pied, quand même, monsieur. Mais ce ballon en retrait, vers le gardien. Mais n'importe quoi. Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise. Et la frappe. Et ouais, oui, bah ouais. Yes. J'ai voulu faire le con et... Il était surveillé de près, mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge. Arrêtez les trucs obscènes là sur le terrain. Non mais oh, ça va pas la tête. Eh, c'est YouTube, il n'y a pas de trucs pornographiques dans PES à faire. Les gars, maintenez-vous. Hein. Ouais, bah ouais, c'est bon, on va perdre. Ouais, ta gueule. Ouais. Non, tu disais... Mais il m'a gêné, lui, le défenseur. Elle va être chaude, quand même. Maintenant. Alors, Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? Ils sont toujours dans le match. Ils peuvent encore égaliser. Il file vers le but. Il peut frapper. Et ça ne passe toujours pas. Ouais, bon. En ce moment, il s'est passé tout près, 2-3 fois. À force de tenter, ça va finir par rentrer.
Ouais. Bon. Ça finira par rentrer, mais je ne sais pas quand. Hein. 7 tirs. Un seul qui a été cadré. Ça manque un peu de solution. Il met le pied, ballon récupéré. Il met le pied devant Choubidou. Ouais. Bonne lecture de la trajectoire. Le Racing Club de Lens qui tente de belles choses là. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Il est passé, allez, jusqu'au bout. C'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. Tu peux tacler le gardien, je pense. Il s'impose. Allez, vas-y, vas-y là. Récupérer ce ballon. Le Havre qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur. Donne-moi la balle, putain. Donne-moi la balle. C'est vrai que c'est compliqué, mais ils doivent continuer à y croire. Mais vas-y. C'est un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampon. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est vraiment dommage, il le manque. Sale enculé de gardien. Pardon. Bon, non, en même temps, c'est un enculé. Le Havre qui peut construire. Le Havre. Qui peut construire. Oh, d'accord, ok. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin du match. Ce n'est ni la faute de l'arbitre, ni la faute de l'entraîneur. C'est sur la pelouse que cette défaite logique. Ouais, bah parce que j'ai fait le con aussi. Si hein. Était plus logique, plus juste, l'erreur commise en deuxième période aurait été fatale. J'ai fait le con, si c'est, la c'est normal. Cet après-midi football, on s'est régalé tous ensemble. Et non, matinée football, c'est matin là. On est au matin. Hein. Ah, pour ma part, je tourne au matin là. Bon, bah voilà, nous allons voir le classement et nous allons nous quitter là-dessus pour aujourd'hui en espérant que cette vidéo vous aura plu. Ah, je repère une place, je suis ce deuxième. Nancy m'a doublé de 2 points. Donc, ils sont premiers. Mais c'est pas grave, on verra ça dans un prochain match. Hein, voilà quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été nickel. N'oubliez pas de laisser le petit like et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'était Johnny pour vous servir. À bientôt, j'espère. Allez, ciao !